mouvement grand peuple dominé actualité à plusieurs dizaines de milliers de citoyens israéliens manifestés dans la ville de Jérusalem contre le gouvernement premier ministre Benjamin Netanyahu. Manifestation s'est déroulée un jour avant soldats israéliens abandonné l'hôpital Al-Shifa après deux semaines d'attaque. Le gouverneur de Maryland a demandé au Congrès d'approuver les fonds nécessaires pour la construction de ponts et bateaux cargo crasés dans le port Baltimore là, dans le moment effort à faire pour l'activité économique qui a recommencé. Haïti, conseil présidentiel 9 membres, a dû précisément installer et puis nommer un nouveau premier ministre dans le commencement de mois ça, malgré la demande de l'autre secteur à faire pour diriger un pays à ta sortie dans la Cour cassation. Bonjour, bonsoir tout le monde, madame Mana, qui est qui côté ou attendez et regardez en même temps vidéo ça. Yo l'autre fois n'abdou, bienvenue sur channel là pour une nouvelle vidéo d'information que nous portons pour aujourd'hui à côté nous parle fort attendez édition La Voix de l'Amérique ça que nous portons pour aujourd'hui 2 avril 2024 là mais avant même nous entrer dans point ça yo n'a pas qu'on est l'autre point qui domine actualité après La Voix de l'Amérique là nèg exam envahi et puis mettez du fait dans un parti dans collège petit séminaire Saint-Martial dans Port-au-Prince n'a pas qu'on est tout. Hier, Anthony Blinken a annoncé que Ariel lundi à la même il a traité avec conseil présidentiel CARICOM qui déjà crasé qui passe route pays d'Haïti encore. Fédération nationale transport République dominicaine mandé pour yo pas porter haïtien dans machine yo parce que haïtien représente yon menace pour République dominicaine. Nous commencer mêler bon là en bas République dominicaine et ben n'a faut qu'on est tout dans dossier qui gien pour avec dossier gang yo même yo vinn changer face gounia c'est pas bandi encore. C'est théorique pour ça qu'il pilote qui nous voter pour une édition journal ça mais avant même nous rentrer dans point ça qui domine actualité si vous même c'est pour la première fois que vous tombez sur channel ça pas hésiter abonnez-vous avec channel là et toujours activer la cloche notification là mettez le sous tout pour pas rater aucune vidéo n'a pas pour nous voter pour sur channel ça pas oublier quitter un like sous vidéo et partager vidéo à tout avec vos amis une famille une façon pour aider nous grandir communauté channel là et bien nous pas perdre trop de temps à parler en pile nous pour rentrer directement dans édition La Voix de l'Amérique nous que nous voter pour aujourd'hui n'a pas tourner notre dit qui pas trop long pour les détails. Actualité a n'a pas aller directement dans Port-au-Prince côté correspondant nous Machado Vinmen lui même témoin et Boukanta écoute jam que nèg armé qui semblait ta membre gang qui est et vivant ensemble là et bien monsieur Boukanta écoute jam tout préparé national là Machado Vinmen. Lundi 1er avril 2024, nous sommes exactement sous chômage et dans le périmètre palais national, nous sommes on est depuis environ un mois, gang qui regroupé au Bas-Souti, y aurait les vivre ensemble, y aurait même assiégé la capitale là. Eh bien, nous devons dire un mois après, rien n'a changé, la situation a toujours été de même. Bien, bien bon matin lundi, eh bien, coup de balle a chanté dans toute direction au capitale là, principalement zone palais national et gens que nous capables tendre et gens que nous capables garder sous image noire. Sauf que nous capables que plusieurs unités de la police yo même yo continuer multiplier chiffre yo pour voir dans quel niveau yo capable arriver croiser et groupe civil armé ça yo qui a cherché à accaparer plus territoire. Nous constatons tout gagner la fumée qui a levé dans direction non capitale là. Nos citoyens même qui a essayé échapper poli en bas coup de balle a dit nous qui ça c'est différent parking intérieur nous est différent n'arrive pas rien nous pas arrêter nous obligé. Vous pas monde de victime. On va côté pas nous tendre nous tout sorti grâce à ça. Pas qu'il n'était rien, on dit fait capable même par contre si on va y voir et tout. Avec on dit c'est bonnet marron, on dit ah, c'est nèg veut dire c'est à bruine va caille dans la quoi. Nous obligé sortir. Et qui ça nous plus paix. C'est la police c'est l'autre monde, on va les nèg azam yo. On va une chance pour nous on petit chaque à virer devant, nous tout sorti. Mais nous on l'est. Et là, c'est rentrée au palais national. Je vais appeler sur l'image noire, c'est agent IGPN. Il y a même qui est campé Djougan pour voir que les gens sont capables de défendre un périmètre palais national. Là, l'Assemblée, c'est une machine qui est tombée en panne et qui a essayé de le faire. Voilà, c'est comme ça la situation. Lui-même, lui présenté, nous devons dire, dans même journée et tension, si là, dans une vidéo qui a circulé sur les réseaux sociaux, eh bien, nous constatons une machine blindée la police de couleur cacajaco qui a passé en bas du feu. Jusqu'à présent, nous pas vraiment connaissons l'origine du feu. Eh bien, dans la commune Pétionville, habitants ont levé, joué, quatre jeunes garçons dans Rivilat, et jeunes garçons qui ont bien dans sang, et personne ne connaît pas vraiment les circonstances de la mort et quatre jeunes garçons. Depuis Port-au-Prince, moi, c'est Massia Rovimé, qui a performé. Mais nous, sous ça qui a passé dans la capitale haïtienne. Merci, Mathieu Vinmé. On a dit que porte-parole groupe
groupe gang armé vivant ensemble Jimmy Cherizier alias Barbecue, et bien lui même il parlait dans la presse pour dire que lui-même il voulait faire partie solution, il est disponible, il est disposé pour participer dans tout dialogue qui est capable fait pour résoudre crise là. Nous parlons dans notre nouvelle tournée pays d'Haïti, n'a dit bandi armé libéré, un youtubeur qui a été kidnappé ça gain quelques puis passé une semaine ensemble avec un assistant qui était avec lui, et bien et ça fait dans moment monsieur Tapral chercher faire une interview avec porte-parole groupe armé vivant ensemble Jimmy Cherizier. Nous Emmanuel pour plus de détails. YouTuber libano-américain Addison Pierre Malouf qui gagne tino jetli qui relé arabe t'est kidnappé dans pays d'Haïti pendant que il t'a gagne intention pour te faire interview avec un chef gang yo qui c'est Jimmy Cherizier alias Barbecue, ancien policier. YouTuber a libéré vendredi qui s'est passé là dans une interview avec la Voix de l'Amérique avant qu'il t'ait payant. Madison expliqué raison en détail qui fait le t'est venu dans pays d'Haïti. You know, I came to this country because moi te vin Haïti parce que moi te vin paye parole ak yon moun kap mene yon insurrection contre gouvernement Sara qui c'est un gouvernement corrompu. Moi explore plusieurs terrains difficiles dans monde là, nan fè jan de travail sa yo comme youtubeur, et moi te confirmé yon interview en Haïti avec Barbecue. Moi veni dans pays d'Haïti pour m'te tande voix ça et rend public voix ça pour moun te konnen. Moi t'ap ofri yon plateforme internationale parce que pays d'Haïti corrompu en pile. Mais pendant ces jours moyens dans Cap Haïtien, nous rencontrons un pile officier police qui retient nous et mandé nous l'argent en bas table. Tout ça nous est dans le pays, c'est monde qui a fait corruption, racket, policier qui travaille avec gang. Raison qui fait yo kidnapper nous, c'est parce qu'il y a un policier qui corrompu. Malouf attribué enlèvement là à couleur poli. Il souligner l'important pour les jeunes libération ça pour le qualifier de miracle. De libération, hein, et le déclarer les croix dans bon Dieu en pile, et c'est ça qui fait ça arriver. Pendant que vous avez fait même dans base 400 Marozo, nous avons bien traité. Moi, pas vraiment l'impression que vous avez maltraité nous. Moi, vous avez dit que vous avez kidnappé pour couler paume. Ce n'est pas une excuse. Si vous kidnappez ou pour les pauvres, même que vous bien traité. Vous bien traité nous parce que nous avons parlé bien en gang. Parce que bon Dieu t'a protégé nous. Madison Pierre, pendant 17 jours, séquestration, t'es accompagné de sa racine, un fixeur, qui dit lui-même tout, expérience n'a pas douce. Et expérience ça qui était un goût amen en bouche. Mais ça qui était problème là, c'est que ou était en dans un caillou ou pas jambe casse dehors ou pas casse soleil la comment lié, mais nous pas détacher nous avec la nature. N'a souligné action ça arrivé dans moment côté pays Aptan installation un conseil présidentiel qui va être l'émission résoudre crise haïtienne. Tractation yo a continué dans mi-temps acteurs politiques sous possibilité pour conseil ça installer ou pas. Pendant temps ça, nouvel ambassadeur américain dans pays d'Haïti, Dennis Hankins, débarqué et lui remettre sa nouvelle lettre de style dans jargon diplomatique là matin lundi avec ministre affaires étrangères démissionnaire Jean-Victor Généus. Moi c'est Yves Manuel depuis Port-au-Prince pour VOA Créole. Merci Emmanuel. En parlant du conseil présidentiel 9 membres là, qui d'après dernière note qui a été mise dehors, eh bien, le conseil ça a depuis récemment installé et même nommé un premier ministre provisoire et qui va former un gouvernement. Donc c'est là nous aujourd'hui, mais en parlant de ça, n'a pas dit que opinion partagée tout concernant conseil présidentiel ça, c'est comme ça ancien sénateur et Jean-Yves Sénatus qui c'est leader parti politique l'ordre démocratique et Emily Campé sous position parle pour dire que président ou bien encore pour ce dirigeant que tu as de diriger et pays à ta de souci dans la Cour cassation ou dans tout ça. Ancien sénateur Jean-Renel Sénatus, qui s'est tout président parti politique l'ordre démocratique, déjà adressé une correspondance par le Conseil supérieur pouvoir judiciaire CSPJ en tant que co-dépositeur souveraineté nationale pour prendre décision appropriée par rapport à choix d'un juge Cour cassation comme président provisoire République d'Haïti. Démarche ça. Joignent appui plusieurs citoyens et secteurs dans la vie nationale. Concernant tout, il y a un pilote qui n'a pas aucun juge Cour cassation, il est estimé qu'il n'est pas bien nommé. Ancien sénateur Jean-Renel Sénatus répond pour le dire qu'il y a plusieurs juges qui étaient bien nommés. Surtout, Jean-Lté Travail, l'Elté président de la commission justice et sécurité au niveau du Sénat de la République. Juge Lebrun, qui était bien nommé parce que la commission a proposé l'exécutif à préfet choix, des juges. Barthelmy Altenor, qui est bien nommé, et qui est juge Théogène aussi, qui est bien nommé. Martin songe non Théogène net, mais moi songe à Barthelmy Altenor, moi songe Jean-Joseph Lebrun. Ancien sénateur Jean-Renel Sénatus écarté possibilité pour conseil présidentiel 7-9 membres a prêté serment devant la Cour cassation. Est-ce que la Cour de cassation peut se permettre, pour le t'a dit, la recevoir ça? Que le président de l'Assemblée nationale, vous allez prêter serment devant nous.
ces cours de cassation fait, le mettre pas de chien, tant de mettre lit. Parce que eux, ils sont passés par devant la haute cour de justice. Donc c'est mettre tant de parlement. Et puis pour parlement mettre en accusation, pour juger, pour parjure, pour juger, pour violation de la Constitution. Pendant ce temps, l'équipe signataire, accord 21 décembre 2022, a écrit CARICOM, a copié à joindre l'Organisation État américain, OEA, avec les Nations Unies, pour dire la meilleure formule pour le peuple haïtien joindre issue de la crise politique, c'est à choisir un juge pour cassation pour diriger la transition. On a rappelé que l'équipe 21 décembre 2021 voyait ancien sénateur Louis-Gérald Gilles comme représentant de la Conseil présidentiel de transition. Oui, dans tout ça, pour VO Créole. Autoclasse. Merci, Anna Toussaint. Il faut dire que ce n'est pas seulement ancien sénateur qui a une opinion ça, tout a l'autre juriste ou bien encore l'autre homme de loi. Homme de loi qui a même partagé l'opinion ça, tout, que c'est que le président ou bien encore le monde qui doit présider ou bien diriger le pays pendant la période de transition, il a été sorti dans la cassation. Et puis, il a dit que l'OEA a pour lui rencontrer, et soit Haïti, même le conseil permanent, même pour l'organiser une rencontre sur Haïti, c'est va pour 3 décembre, d'après sa nouvelle loi rapportée. Et puis, il a dit que la crise politique là en Haïti n'a pas empêché que les jeunes ont une tradition. Une tradition, sur le timon de Saint-Gély, c'est ça, les cap. Cap, encore quelqu'un qui dit en français, les cerfs volants. Et bien, nous allons joindre Jean-Marc Hébert qui va parler de cerfs volants ou de cap. Dans le moment insécurité à Valéterre dans le pays d'Haïti, pendant ces 27 ans, quelques citoyens haïtiens étaient mal connus avec la tradition Pâques là, dans fait cap avec divers papiers couleurs pour vendre. Malgré la situation pays à Bin Pimalou, Gilbert Fleurant qui s'est yon machin cap, te dit dans le micro à Jasa Nouvelle Reuters, li pap abandonné coutume là. Activité à Paris, j'en ai bon pour ça. Mais, nous toujours. Nous toujours, nous ne pas quitter. Si nous ne pas en dire, nous ne pouvons pas faire, et puis nous relaxons. Nous relaxons tout le monde, mais nous sommes tous les gens. Pendant ce temps, l'insécurité et le blocage politique pays a paralysé en pilote activité, tant que distribution gaz dans la pompe gasoline, côté chauffeur taxi moto et chauffeur machine, pas de cajun gaz. Jean-Marc Hervé Abelor, Washington, pour VOA Créole. Actualité à ce plan international, Père Bizaela continue à manifester contre le gouvernement Benjamin Netanyahu dans Jérusalem pour ingérence gouvernement dans la guerre. L'armée Israël a fait contre militants Hamasio, Gentil Augustin Junior. Plusieurs dizaines de milliers d'Israéliens tenant la rue dans Jérusalem dimanche 31 mars 2024 là pour manifester contre le gouvernement Benjamin Netanyahu. Et puis, jeudi lundi 1er avril, là, l'armée Israël a quitté l'hôpital Al-Shifa qui est dans la ville Gaza après environ 2 semaines d'opération. Comme Oukawe, dégâts en pile en dedans Shifa. Gen en pile mort. Évacuation malade a continué. Premier plan nous, c'est retirer tout malade qui pas de rien pendant présence de l'armée Israël là dans Al-Shifa. Kouliya, nous pral déplacer moun ki malade ak blessé yo sorti nan Al-Shifa nan l'hôpital Baptiste ki se youn nan zone Gaza ki toujours ap bay patient yo service. Yon patient ki te nan l'hôpital la pendant attaque yo te parlé sou situation yo après attaque la mais Israël la. Yo te kite yon ti quantité manger entré ki pat assez. Nou te 150 patients ak 50 employés médical. Manger a pat assez dit tout. Pa gen traitement, pa gen médicament, pa gen rien ak bombardement tout journée ki pat suspend ak en pile dégâts nan l'hôpital. Dormi, pas gen dormi, la pérez ak inquiétude. Nous tapten pour yo aller. Yo seulement quitté jeudi ya, 15 jours nan état ça. Pendant gouvernement Netanyahu déterminé pour éliminer Hamas, ayè dimanche lan, plusieurs dizaines de milliers manifestants israéliens tenant la rue contre gouvernement premier ministre israélien yan, Benjamin Netanyahu pour ingérence li dans la guerre. Ya. Yo manifestant 74 l'année te dit. What I'm doing here, ça m'a fait ici là, c'est essayer changer gouvernement parce que gouvernement ça c'est un échec complet ak total. Et celle façon yo pral mener nous nan gros tout sans fond côté nous pas jamais chapé. Journal israélien N12 News dit c'était pi gros manifestation depuis commencement la guerre. Cabinet Netanyahu te critiqué en pile pour échec sécurité attaque Hamas là sous site Israël. Côté 1200 moun te mouri ak 240 lot te prend en otage. Pendant manifestation t'a déroulé Jérusalem, premier ministre Benjamin Netanyahu te l'hôpital pour yon examen enni. Mais ça pas empêcher le t'a fait louange l'armée Israël là. Pendant ces semaines qui sont passées, force nous ont opéré l'autre bord d'une façon remarquable. Shifa a été tourné au quartier général terroriste pour Hamas. Force nous ont fait une attaque surprise avec précision. Ils ont tué plus de 200 terroristes.
qui gen ladan quelques gros commandants. L'armée Israël là te dit qu'elle était touyé ak arrêté plusieurs centaines nèg ak zam nan affrontement nan zone l'hôpital là. Et puis, li te saisi zam ak document intelligence, yon déclaration groupe armé Hamas là ak employé médical yo démenti. Gentil Augustin Junior, Washington pour VOA Creole. Zami k ap mande nou pour collègue nou Jacqueline Belizea, nous dire que Jacqueline en vacances. Donc, il n'y a pas pris le temps pour le retourner maintenant. Non? Et c'est comme ça que je suis pour lui, en attendant que pour le capable bien vivre des vacances en tout repos, en paix. Nous parlons dans l'autre nouvelle carte de l'actualité, à l'UMS d'Action des Grâces. Tu es déroulé dans la cathédrale sympathique là, dans Manhattan, dans New York. Côté que un groupe monte essayé de perturber, ou bien encore gâter, mais cela a célébré. Il était obligé de la police pour croire au Valérie Saint-Louis. Archevêque ville New York, la cardinal Timothy Dolan, t'es dirigé messe Action de Grâce hier dimanche Pâques là, dans cathédrale Saint-Patrick là, dans Manhattan, avec participation plusieurs fidèles catholiques, côté que archevêque là t'es offri tout condoléances li pour officier police Jonathan Dealer, dans cathédrale Saint-Patrick là, pendant messe là dimanche matin. Officier police Jonathan Dealer, un membre département la police ville New York là, t'es perdu la ville, t'es tiré la semaine passée pendant un embouteillage trafic dans Queens, New York. L'attemps, il t'es chanté dans l'église catholique Sainte-Rose de Lima, samedi dans la veille fête Pâques là. Pendant messe célébration dimanche Pâques là, t'es gagné tout quelques monde qui t'a cherché attention et qui t'a essayé déranger déroulement possession religieuse là. Moun sa yo te campé dans l'église, yo t'a scandé, yo t'a relé libérer Palestine. Selon ça, une vidéo qui t'est partagée sur plateforme X a t'est montré. Yo t'est relé la police qui t'est débarqué dans cathédrale là, yo t'est porté plainte contre moun sa yo qui t'a manifesté dans l'église là. La police t'est arrêté trois moun sa yo. Matthew Menzi qui a 31 ans, John Rosendahl 63 ans, et Gregory Schwedock qui a 35 ans. Yo t'est metté en prison et puis yo t'est accusé yo de désordre dans service religieux. D'après ça, la police t'est dit. Pendant ce temps de la veille, dans samedi 30 mars, si pote pro-palestinien était pris la rue dans la ville de New York là, pour marquer 48e anniversaire, jour territoire, et puis pour protester contre la guerre en Gaza. Manifestants ont brandi le drapeau palestinien, yo pancatio, yo tap chanté libérer Palestine à Gaza. Pendant que yo tap marché dans la ville là. La police New York la NYPD t'a accompagné manifestants pendant parcours. Chaque année, tous les peuples citoyens palestiniens arabes et peuples israéliens commémorer la mort 6 citoyens arabes qui ont même perdu la vie dans l'État juif là en bas force sécurité israélienne pendant une manifestation qui était faite dans date 30 mars 1976. À l'époque, manifestation ça a été faite parce que le gouvernement israélien a été confisqué une partie de terre dans nord Palestine. Jodi a reconnaître et célébrer événement ça comme jour territoire. N'a rappelé tout que plus passé 32 000 Palestiniens mouri dans offensive militaire israélienne dans Gaza depuis date 7 octobre là d'après autorité santé dans Gaza. La guerre entre Israël et Hamas a été éclatée après que militants Hamas ont écrasé frontières et puis ont lancé une attaque qui a fait ravage dans parmi communauté dans le site Israël qui a tué 1200 moun et puis ont kidnappé 253 otages d'après autorité israélienne. Pour VOA Creole, Valérie Saint-Louis, New York. Merci Valérie Saint-Louis et puis n'a prêté aux États-Unis mais n'a bien pu la caille donc nous parler dans Baltimore côté que travail pour l'ouvrir activité dans Port Baltimore là a commencé depuis et weekend là dans moment autorité ont mandé Congrès l'argent nécessaire pour reconstruire pont que un bateau cargo est écrasé semaine passée à nous parler dans le maire pour plus de détails. Autorité américaine a fait connaître Galcott a préparé une voie alternée côté bateau commercial essentiel yo capable passer qui situé tout près pont Francisca Kia qui crasé. Équipage yo déjà commencé travail compliqué pour retirer acier et béton dans lieu côté pont effondré et puis touyer plusieurs monde. Pont est tombé dans fleuve Patapsco après un bateau cargo t'est frappé la semaine passée a. Autorité yo décrit établissement voie maritime provisoire dans cadre plan pour relouvrir principale voie maritime là étape par étape. Une vidéo yo publié montré Gadcott là qu'a plagué bouée dans gloa dimanche. Capitaine David O'Connell qui c'est coordonnateur fédéral là dit journaliste yo c'est un premier pas important dans plan pour relouvrir port Baltimore là. Yon autre côté, mon oncle, un travailleur construction qui mourit le pont effondré, parlait avec journaliste Associated Press sous Neuvelli. Wenceslao Contreras Ortiz dit c'est dans le journal que tu apprends nouvelle la mort Alejandro Hernandez Fuentes. Monsieur, c'est un papa petit qui a 35 ans, qui a établi l'école dans l'État Maryland. Cadavre, c'est une parmi deux secouristes qui ont été récupérés dans le fleuve là mercredi passé. La famille a décidé d'enterrer aux États-Unis. Mon hermana, principalement, ce que necessita. Il dit principalement sa seule besoin c'est assistance humanitaire dans le même gouvernement pour voyager aux États-Unis et puis souhaiter Frélie un dernier adieu. Il y a une soeur qui t'a vivre aux États-Unis, d'après ça mon oncle a dit, mais l'autre là t'es resté au Mexique. Mais il a gagné un contact avec Frélie pendant l'année qui passait.
Toute victime effondrement, c'était latino-américain qui t'a travaillé construction dans moment bateau Kagoa t'a frappé. Yo te moun pays Guatemala, Honduras et Mexique qui t'est venu rester dans état Maryland. Sandra Lemaire, VOA Creole, Washington. Merci Sandra Lemaire pour mise à jour ça, nous parlons ouais quelques dans l'autre point qui domine l'actualité avec Marie-Louise Pierre. Il y a eu une grosse destruction dans l'hôpital Al-Shifa Gaza, dans la ville Gaza, lundi 1er avril, après les forces israéliennes ont été retirées dans la position. Parmi les camps buildings qui détruisent, la fumée était parée pendant que les Palestiniens ont fait va-et-vient dans le complexe médical. Là. La Russie était dit dimanche, il était frappé infrastructure énergie ukrainienne, entreprise défense à atelier militaire qui pas de monde là-dedans dans 24 heures qui sont passées pendant que Ukraine a déclaré dans même jour que il était lancé quelques attaques contre zone côté personnel à équipement la Russie concentré. Premier diplomate le français fin de journée dit il arrive la Chine ou un message clair by allié stratégique via la Russie sur la guerre en Ukraine après réunion à Tokali dans Pékin pendant que la Chine dit ils sont passés neutre dans le conflit d'Ukraine. Il est tombé en bas critique peut-être qu'il refuse de condamner Moscou pour offensive. Actualité à peine nous dans Chicago qui est une journaliste Obed Lamy qui vient de parler nous de un événement qui est marqué ce maintenant. Dans Chicago, Obed Lamy. Soirée 21 mars, la locale Alliance française dans Chicago a fait place pour un gros bal. Et musique qui t'a frappé dans le moment, c'est compas. Je suis super impressionnée. Moi, vraiment impressionnée. Les notes ont discuté sur l'idée pour nous faire une soirée danse. J'ai déjà hésité parce que je pense que c'est vraiment difficile pour faire mon danser. Mais depuis que nous avons commencé à soirée, tout le monde est sous deux pieds, bien habillé, à danser, à bouger. Plus passé 60 monde te réunis dans soirée ça. Gain qui c'est étranger, mais en pile là aussi haïtien qui envie de connecté à quel type pays yo. Donc ça Jean Lazare qui quitté Haïti depuis dans l'âge 13 l'année. Moi mes compas, en pile. Moi mes en communauté haïtienne, en elle cousine moi sorti Atlanta, vivre moi au Atlanta. On me dit comme ça non, pas carré, pas comme au Atlanta parce que moi mes Chicago. Que n'a même besoin venir nous visiter à faire les montrer les Chicago pour comprendre ça mieux là. Programme sa fête dans la célébration Festival Francophonie, côté pendant tout le mois mars là, yo fait conférence, cinéma, concert et latrier. Mais c'est la première fois que yo mette soirée qu'on parle dans la programmation. David Zasavski qui est marié et fait petite affaire avec une femme haïtienne, expliquait pour qui ça lui devine avec l'idée ça. Pour plusieurs raisons, parce que le compas n'est pas très connu à Chicago. Il n'y a pas vraiment connu la musique compas dans la zone de Chicago. Il y a plus qu'on est dans Montréal, Miami, à New York. Mais il y a une communauté de danse dans Chicago qui aime compas et qui danse leur danse tout d'un coup. Bachata et Kizumba, mais qui m'a demandé pour nous faire plus d'événements compas. Donc nous prenons tout élément ça en considération. En réalité, soit compas n'est pas vraiment nouveau dans Chicago. Mais les haïtiens américains dans Chicago ont lancé l'activité sans tête collée avec DJ France depuis 2019 et puis recommencé en 2022 après l'épidémie COVID. Our Compas Soirée is an event that we have. Soirée Compas Loin, c'est un événement que nous faisons dans Misea pour nous célébrer Kilti, musique et danse haïtienne. Et nous organisons chaque troisième jeudi dans le mois. C'est une belle activité qui rassemble un peu de monde et qui va avoir l'opportunité pour sortir, manger, boire et rencontrer des amis qui ont parlé depuis quelques temps. Et soirée, ça nous fait et spécialement à soirée avec Alliance Française, c'est une belle occasion pour nous faire connaissance à la communauté francophone. En plus, Alliance Française avec Misea, Consulat Haïtien te peut-être collé tout pour aider le programme ça arrive et fait. Oui, il est important pour nous faire promotion compas, pour faire promotion culture nous. Et c'est pour ça que la représentation diplomatique est là. Et bien sûr, on a toujours répondu pour oui, présent, tout côté on fait appel à nous pour valoriser culture nous, valoriser compas, qui sont patrimoine que nous, Jean-Baptiste, qui te promet. Obed Lamy, pour VOA Creole depuis Chicago. Yo la gè compa la la gan pile par terre et bien a dit que monsieur la culture tout li présenté musique compa pour s'il ta ka remporter fini ça patrimoine l'humanité dans l'UNESCO et nous pas j'ai Luc Saint-Ville même qui va parler nous de yon exposition en fait si avant ça yon livre qui est les AFM dans Miami Floride. Lecteur et lectrice, fanatique livre, fanatique compas, ont été sortis tout côté dans Floride, même en dehors États-Unis, pour venir participer dans 26 artistes. Zafem, Zéro Faute, un livre qui, selon Yves Lafortune, écrit dans un contexte bien spécifique et qui a un objectif clair. Compas qui a 60 ans, pas grand bien document écrit, donc nous avons sorti de l'oralité à la littérature. Et puis nous faisons en anglais et en français, parce que petite diaspora a chanté la musique, n'est pas là qu'à regarder. Et puis, je pense que faut être capable d'entrer sur les musiques haïtiennes dans l'université pour que chaque 18 mai, on peut le bouillard et puis c'est sa culture.
En dans livre ça qui a plus passé 150 pages, Yves Lafortune qui fait une étude dans politique culturelle en France actuellement, qui a fait un doctorat en politique publique aux États-Unis. Écris un texte sous chaque musique qui sous album Zafem nan. Bon, you know, bah, c'est, enfin, la donne, c'est le dialogue de Londres entre Amanatan, entre Reginald et Elton John. Côté Elton qui a passé, dans le temps de Reginald qui a chanté. Dialogue qui a mené Elton John à Haïti. Et puis il va dire le besoin initié. Reginald va dire maman le bagage loi, maman le bagage loi, comment le faire guider. Et puis, monsieur Bral d'accord, entraîne dans l'anthropologie, nous, pour monsieur entraîne dans, enfin, pour l'initier, et puis Bral chanter Candle in the Wind, musique qu'elle a écrite pour Marilyn Monroe, qu'elle a chanté dans l'amour Lady Diana, il va chanter sous Tom Anacaona, pour le ressusciter, souvler l'Iman Gazemir. Donc, enrichir l'anthropologie haïtienne, non, tout quoi. Les haïtiens qui devaient participer dans 20 signatures, ça a dit, ils là pour supporter qu'on parle, mais c'est tout. Supporter tes œuvres qui ont qualité. C'est un plaisir pour moi pour constater que il y a la qualité dans la musique qui sont album là, dans la musique et dans le texte. Et puis, on va profiter et féliciter monsieur pour bon travail. Parti pour non pas, faire des vins là, dans Choublac, pour m'acheter le livre, pour m'acheter pour me lire. Merci, Dixon Seville. Frère Kaimit et gentil Augustin Junior avec tout notre collègue. Merci en pile, au même tour qui t'a regardé nous. Merci en pile. Passez une bonne semaine en compagnie. L'autre information que nous portons pour vous, et nous aller directement dans le dossier CARICOM qui n'a jamais suspendu fait par l'empire là dans le pays d'Haïti dans le dernier jour. Nous avons fait partie des citoyens chrétiens écrit CARICOM pour proposer un juge de cour de cassation comme président. Nous-mêmes, même partie citoyens chrétiens haïtiens, nous avons un pile souci pour la situation du pays à la vie aujourd'hui à la insécurité. Instabilité politique avec influence l'autre pays dans affaires personnelles. Nous, comme peuple, affaibli la paix avec stabilité, n'a pas cherché longtemps dans le pays. Nous, c'est parti. Citoyen chrétien, vous avez parlé toujours dans un sentiment patriotique qui harmonie et bien avec principe fondamental constitution haïtienne qui est 1987. Là, n'a pas attiré attention. Que ou pa gen aucun côté dans loi pays a qui permettent nous mettre camper un exécutif qui gen deux têtes et cap diriger par un conseil présidentiel qui pourrait 7 membres là-dedans avec des observateurs. Dans ce sens là, parti citoyen chrétien haïtien même yo mandé pour nous montrer nous sensible et comprendre douleur peuple haïtien. Peut-être ça non intérêt national. Et bien, PCCH a demandé avec tout membre conseil présidentiel 7 têtes CARICOM nan renoncer projet si la pour faciliter peuple à joindre yon entente nan mitan tout acte haïtien et cap capable pi proche constitution 29 mars 1987 la. PCCH a voyé jete bien loin comportement communauté internationale la si tout CARICOM cap chercher forcer peuple haïtien accepter volonté yo pendant yo pa vle accepter comme yon nation ki grand moun tèt nou. Wèl la pa lan pil la pa chanm fini nan peyi a. PCC a mandé avec tout moun ki fè pati conseil présidentiel 7 tèt kòp sa et bien pour yo même pour yo mete tout orgueil yo sou côté pour nou kembe dignité nou comme moun et pour nou kapab décider ensemble sou choix et bien yon juge nan la cour cassation comme président transition li lè pour nous prendre décision vanyan et qui capable uni nous pour bien pays d'Haïti. C'est toujours parti chrétien yo même kap parler PCC a profité dit avec tout moun sa yo même qui persister nan chemin fait noir et comporter yo tant que moun qui pas soucié pour misère population haïtienne nan et a responsable tout dégâts qui arrivé en dedans pays. Nous espérer n'a pas comprendre ou bien n'a prend conscience pays a avec peuple haïtien pas qu'attendre encore. PCC a profité rappeler nous que moun qui nommé nous yo et bien capable révoquer nous. Tout monde doit vivre, c'est ça. Let's si la li même li fait côté le date Port-au-Prince 1er avril 2024 qui se met Jean-Wilbert Jean coordonnateur national, c'est yo même qui t'a écrit let's si la avec CARICOM sous dossier qui gen pour avec dossier conseil présidentiel. C'est tête ça qui en pile haïtien yo même yo rencontré qui et c'est un dossier tout qui pas constitutionnel, c'est tout constitution 20
dernière constitution 29 mars 1987 là lui-même depuis ta gen problème ça nous gen là et bien c'est allé directement dans la cour de cassation choisi une juge pi ancien pour ta venir prendre conseil présidentiel provisoire pour ta venir faire élection dans pays là et bien pourquoi il est là nèg yo même yo là gen dans caricom mais n'a pas rappelé dossier caricom là et bien soldat pays Bahamas avec pays Belize débarqué Jamaïque pour formation Canada a offert membre mission multinationale pile du pays besoin vin là plusieurs soldats force défense pays Bahamas avec pays Belize débarqué Jamaïque dans week-end ça là qui s'est passé là pour participer dans série de formation soldats l'armée pays Canada yo a fourni militaires et policiers cap gain pour débarquer en Haïti dans un petit bout de temps qui pas trop long mais qui pas gain date gouvernement pays Canada qui pas voulait prendre tête mission multinationale là qui gain pour déployer en Haïti a et bien voulait porter soutien dans une autre façon et bien by force ça les mêmes qui t'a doué rentrer dans pays a vinn courir la police nationale là dans quatre batailles là mené contre gang examio dans un communiqué officiel ministre défense pays Canada a publié jour qui était vendredi qui était saute passé à l'élite annoncé que 70 membres dans force l'armée a pral former environ 300 soldats mission Nations Unies cap gain pour venir sous ti boutte papa de saline nan la et ben pour venir sous île Haïti yon façon yon même pour capable vinn kwape gang et ben nan Jamaïque là n'a faut connait plusieurs pays déjà fait partie formation ça c'est gouvernement pays Jamaïque là les même qui demandé soldats canadiens pour venir partager quelque et bien nan expérience ak militaire ça yon même qui praler nan mission et ben c'est comme ça militaire plusieurs pays cap nan force mission multinationale la gèt après direction pays Jamaïque pour aller recevoir formation si la vendredi passé plusieurs soldats Belize té foulé sol Kinton nan et bien pour yon même yon tal sur formation ça dimanche 31 qui sont passé là 60 soldats Bahamas yon même te débarqué Jamaïque pour aller prendre plus bête qui donc sous yon cadre de formation cap dire yon mois avant yon prend direction pays d'Haïti. N'a pas rappelé dès octobre 2023 Conseil sécurité Nations Unies te bay autorisation pour force étrangère fouler sol papa de Saline là force ça li même qui gagne là-dedans policier avec militaire a bien en tête pays Kenya qui comme monde qui pral diriger force ci là pour que la pile par la pile continuer à faire dans dossier qui gagne pour avec dossier force mission multinationale là qui t'a dû déployer dans pays d'Haïti yon l'autre côté n'a faut qu'on ait Denis Antis li même il fait déclaration ça côté le fait qu'on moi engagé pour moi gagner un bon gens partenaire pour peuple haïtien dans moment crise ça les mêmes et puis pendant tout parcours nous ensemble pour un avenir qui chita sous démocratie stabilité prospérité et la paix c'est ça ambassadeur américain en Haïti les mêmes qui c'est Denis Ankis déclaré hier qui était lundi 1er avril 2024 là n'a pas pour débat ambassadeur si là il pas nommé trop longtemps c'est pendant crise là bien red là il était homme d'affaires qui était trop maillé et bien Eric Tromaille les mêmes qui pat ambassadeur et bien américain bien rapide pendant ba yo di là yo t'a pral nommé ambassadeur si là et bien le fait qu'on est lui-même li prêt là pour l'engager dans un bon gens partenaire pour peuple haïtien et dans moment crise ça lui-même li fait qu'on est tout et bien la là pour chita sous démocratie démocratie tonton c'est là où pays a la prend décision par depuis que cap mettre là dans blanc démocratie a été qu'a fait mais c'est pour pays ou li pas pour pays pas nous quel il a cherché pays à régler affaire dans pays d'Haïti n'a pas connait la police dans département Sud-Est mettez la patte sous Jean-Louis Wilguet et bien Jean-Louis Wilguet lui-même s'est évadé prison dans jour qui était 29 mars 2024 là dans localité Mabial dans Jacques Mel et bien la police a arrêté monsieur qui est un jeune garçon qui a âgé de 32 ans et bien monsieur était fermé dans pénitencier dans date qui était 17 juin 2018 pour qui ça c'était pour viol sous timoun pour qu'elle là évadé elle même l'état c'est sorti tête pour te la gueule dans Jacques Mel et bien yo mettez main dans bar patli et bien pourquoi elle là lui même li là la prige peine encore et bien sauvé dans prison Port-au-Prince al tomber Jacques Mel y a kembe au pire dans prisonnier ça yo en pile gétan mouri en pile yo kembe yo là dame toujours gagne dans village de Dieu tout cap fait mission avec Izo révolution lui-même il continue à faire pi mal il a vraiment là l'hôpital général qui c'est pi gros hôpital dans l'état pays d'Haïti est capable connaître sous contrôle gang vivre ensemble n'a rappelé que l'hôpital c'est là lui-même il vient tourner un cache libre
pour nèg yo même yo capable toke kon yo pi bien avec la police après yo fin bouler blende que yo te prend pendant journée hier dans zone ça et bien ayé la journée yon lot par là dans ces gros bataille la police te mené pour te empêcher gang yo bouler bibliothèque nationale nèg yo pas besoin attaquer ça yo aussi bibliothèque nationale et bien ayé 1er avril la bagaille là pas douce même dans capitale là même Jean dans Pétionville côté plusieurs bandits t'est tombé en bas mais la police venait yo toujours fait attaque en plusieurs reprises façon pour voir comment yo même yo capable faire la police tomber en bas mais et bien nèg ça yo même qui continue à bail problème et bien nèg exam ça yo envahi pendant journée hier et puis mettez du fait dans un parti dans collège petit Simenet Saint Martial lui-même après moment panique qui t'est gagné dans zone Chanmas Carrefour aéroport avec quelques zones dans Delma nèg exam yo entre et puis mettez di fait dans un parti dans l'école petit Simenet Saint Martial hier lundi pardon qui était 1er avril 2024 là selon diverses images qui viennent joindre nous qui publié sur internet là tout individu mettez di fait côté espace informatique l'école là lui-même li t'apprend tout. D'après yon source nous capable faire confiance et bien rive confirmer information que cependant li pa bay aucun autre détail sous attaque individu exam yo fait sous l'école là ça pendant après-midi hier qui s'est passé à la faut connait que depuis jour qui était 29 février 2024 la balle pas jamais suspend chanté dans environnement l'école côté élève yo même yo te joine en pile difficulté pour te capable quitter espace si là n'a souligné tout l'école petit séminaire Saint Martial qui chita colline en Rilama gain 159 l'année depuis existé et c'est une dans l'école qui formait seulement garçon dans pays a depuis existence li et bien exam yo même yo pa pe yo pa crainte yo attaquer l'école si là pourquoi li la théorie ça yo dile avec kidnapping pas ka faire révolution. C'est ça en pile moun y a fait connait côté Port-au-Prince journée mardi 2 avril 2024 là et ben c'est poisson d'avril c'est pas une blague gang eux même yo prend contrôle zone métropolitaine là et puis c'est yo cap imposer loi c'est pas un petit bébé qui a fait à terre là dans Port-au-Prince c'est gros âme la guerre qui a chanté dans oreille population qui vivent dans capitale là toute la scène journée c'est moun cap mourir papil et papa qu'est ce business y a déchoqué et puis c'est cas déjà qui a fait sous femme les ou vle c'est ça qui relé anarchie c'est lui même n'a vivre dans pays d'Haïti là pas gain roi roche caché mais et bien pour kounya là nous pas relé messieurs dames ça ou vivre ensemble encore yo bandi yo ni nous pas capable relé yo bandi encore yo rivé dans phase terroriste là pour elle là c'est acte terroriste n'a fait après gros toto attaque planifié criminel yo même yo te fait sous prison pénitentiaire nationale avec prison Kwadebouquea qui la cause plus passé 4000 prisonniers déjà sauvés n'a parlé environ 3000 qui était prison pénitentiaire nationale là et bien ça qui sauvé dans prison Kwadebouquea et bien environ 4000 prisonniers qui sauvés après attaque qui sont faites sous plus passé 15 antennes la police qui la cause 5 policiers mourir sur place après syndicat bandits même fin bouler toute pharmacie qui bol hôpital général sacaré et puis bouler université avec l'école catégorie moun sa yo prouvé yo même yo c'est bon terroriste la bagarre fait bagarre n'a parler de vivre ensemble qui donc pas gain bagaille comme ça c'est terroriste nèg yo même yo pourtant gain un parti moun qui continue quoi c'est révolution qu'a fait dans la rue pour population les même li gain la vie miyo moun yo fin tourner avocat bandi sur tout internet là yo dit nèg exam yo tande prier yo yo rive bouge yo vire bouge zam nan sou moun ki t'a financé avocat bandi yo même dit c'est sel nèg exam illégal qui ka délivré pays a yo même relé Nelson Mandela avec Fidel Castro comme exemple comme quoi et où ça yo même yo té bandi tout avant yo même yo té prend décision pour délivrer pays yo. Mais faut que nous dit tout ti avocat servel pour ça yo même Fidel Castro avec Nelson Mandela yo même yo te fait partie un gros mouvement rébellion pour te libérer pays yo contre un système pesé sur ces ni mais yo pas jamais cité dans kidnapping ni kidnapping ni voler ni massacre ça qui pi pauvre nous connaît gen gros l'argent k'a bail pour influencer yo laver cerveau peuple sur réseaux sociaux yo nous connaît tout gen
yon paquet de ti media en ligne kap travay pou terroriste nan même jan nou gen yon bande ti foulay kap fè bat bravo ak kontantman pou zak terroriste sa yo même yon fason pou yo kapab augmenter audience yo. Men nou même kote pa nou nap toujou fè travay nou nan jan sa twa de fèt et bien pou pa pran position pou bouyo ki donc pou ki sa terroriste la agi kon sa. Bagay la simple grâce ak program Biden nan plis pase 150 000 moun yo getan approuvé et puis quitter pays d'Haïti yon bon valet moun ki passé par route par bois ki tombé dans pays Mexique sak passé par Nicaragua yo coulé par Mexique et puis y a tann réponse demande asile politique yo ke yo déjà fait dans pays les États-Unis c'est même gens tout gen yon bon valet ki kouri al prend yon souffle dans pays Saint-Domingue moun ki pa gen moyen quitter pays a prend décision retourner dans ville province et puis abandonner département l'ouest là les même k'ap bay criminel yo côté pour yo capable faire ça y a fait tout gros business yo getan la gripye yo tout moun ki kon rele bourgeois ou bien si au Libanais yo deja fermé business yo puis paye hélicoptère bien cher pour quitter pays ya l'enfer ça li même avec famille yo ki donc a te ala pa gen a fe anko. E bien, gros ratman koumès kidnapping nan li mèm li rakete nan la ria se selman aktivite pase douk la kap mene gang sa yo. Vilay de dje ki bay plis ratman se izo ki gen kontrol aktivite sa te. Ou si yo mette pie yo a te, se paske yo gen yon problem avèk Ariel Henry vre. Se pa paske se sa, e bien, se paske yo pa jam gen problem ak bourgeois vre. Bon da e moun sa yo mèm ansyen patron yo gen yon epok se moun sa nan epok sa et ben nou konn ansyen patron gang yo ki se bandi legal et ben poukwe li la nèg yo vre legal ak 100% izo li menm ki gen yon gros groupe gang la se pale a lap chache yon fason pou l kapab fè sal ta gen pou l fè yo pi fasil pou ran tache la pi fasil paske l pap gen moun pou arete l ni anyen yon fwa yo menm yo ta pran pale a poukwe li la bagay la vreman komplike la nan republik la paske bagay yo pa bay anyen ki paret la semble ki la vi ap kontinye si jan nèg yo menm yap kontinye atake a la et ben pep la pap kapab reziste an ba go atak mechan sa yo nèg yap fè a kote tout moun wè akle et bien c'est pays a même qui pral dans pito. En parlant de ça n'a pas connait ministre d'affaires étrangères pays Canada a fait connait lundi 1er avril 2024 là yo fermé ambassade yo pour un petit temps dans pays d'Haïti. Yo prend décision ça c'est à cause instabilité avec insécurité qui a traversé pays d'Haïti dans dernier jour ça là. Nous exprimer vraiment profond préoccupation nous face avec situation en Haïti et puis exprimer solidarité nous peuple avec peuple haïtien dans période difficile ça selon publication ambassade Panama lui-même fait sous dossier si là jusqu'à présent c'est une décision qui prend dans un moment côté gain divers affrontements entre la police avec gang dans vivre ensemble mieux côté bandi yo même yo t'a essayer prend parler national et puis créer la trouble dans plusieurs raccoins dans pays ta couchan masse Bidboye Kazo Delma Magrois Amboise avec quoi d'émission et la trier d'après attaque yo pas jamais suspendre sur l'autre bord ambassade Panama continuer pour le dire et bien la baie compatriote panaméen Ilio qui Haïti a et bien toute attention yo pendant yo même yo fait connait yo mettez yon ligne disponible pour permettre moun ki contacter consulat ka besoin yo et bien men numéro téléphone si la li même ki disponible pour moun yo capable rele a que c'est plus 509 316 85 064 et bien Francisco Torres li même a commercial mire.gb et bien pas ça c'est yon email si la c'est pour citoyen panaméen yo même qui t'a voulu quitter pays d'Haïti et bien yo capable contacter yo nan numéro ak email sa yo que nous sot cité là pour quitter pays d'Haïti tout moun net fin quitter pays ya nèg ak kob yo tout yo même yo déjà quitter pays ya nèg sa yo k'ap goumen là et bien yo pas goumen derrière nèg ap kob vrai sinon yo même y'ap goumen pour yo craser pays ya parce que majorité nèg quitter ba exam nèg yo kon di ap chercher yo déjà quitter pays ya yo pa en Haïti encore pa gen aucun canal communication entre conseil présidentiel là avec conseil ministre là c'est ça CARICOM c'est celle CARICOM lui-même k'ap gérer toute bagaille conseil ministre qui sous pouvoir dit et bien jodi a CARICOM voyer document ba yo tout ça k'ap fait c'est CARICOM qui parler avec PM Ariel Henry et puis CARICOM lui-même li parler ak yo conseil ministre là dit
document qui nan meyo a li pa gen aucun accord politique là-dedan, aucun documentation ni provision légale pour yo capable publier li nan les moniteur, pa gen aucun communication entre conseil ministre là avec conseil présidentiel là. C'est ça CARICOM, c'est celle CARICOM pardon qui gérer dossier si la dossier qui déjà pas passé et qui déjà aller bien loin dans poubelle parce que en pile parti politique yo même yo était déjà resté là. N'a pas le même nèg qui fait partie conseil ça, et bien yo rejeté document là, n'a parlé des anciens avocats peuple là, lui même lui dit non avec yo pour toi dans juge de cassation pour yo capable faire ça pour yo faire un dossier qui est pour avec dossier conseil cette tête là lui même li obligé écraser parce que li pa gagne moun kap fè route si la avec conseil si la pour yo même conseil la li pa légitime. Et bien n'a faut qu'on ait Anthony Blinken annoncé que Ariel Henry a que yo même yo entraîné avec conseil CARICOM nan pour yo capable mettre en place yon conseil présidentiel et puis pour yo capable venir avec force mission multinationale là dans pays d'Haïti. C'est Anthony Blinken qui dit ça lui-même selon sa radio Métronome lui-même il fait qu'on est côté li plaider en faveur yon mise en place et bien pour conseil présidentiel que américain ou même yo soutien. Pourquoi il est là américain te mettre soutenir ou pas conseil ça déjà a craser selon en pile monde lui-même yo qui pas déjà gagner la vie qui bon pour nous dans dossier conseil présidentiel c'est là qui pas porter fruit. Et l'autre côté d'a faut qu'on est République dominicaine continue à frapper nous là après en premier lait yo té bay décision c'est là et bien yo fait tourner avec décision c'est là côté discrimination l'a fait sous haïtien tout bon en République dominicaine. Fédération nationale transport République dominicaine nan mandé pour pas porter haïtien nan machine yo parce que haïtien représente yon menace pour sécurité pays République dominicaine. Et bien Fédération transport nationale République là yo même li dit li nécessaire et prudent à partir de hier lundi 1er avril 2024 là pour transporter dominicain yo pas transporter passager haïtien même si yo t'a acheté billet transport a, et mais si ça t'a dû appliquer parce que haïtien yo représenté yon menace pour sécurité peuple dominicain. D'après ça Mario Diaz lui même qui c'est secrétaire fédération si là lui même li fait connait côté li mandé c'est pour la police dominicaine avec l'armée République dominicaine n'a prêté yo main fort pour faire appliquer mezi sa yo qui donc si yo ta suspect gagne yon haïtien nan transport bien yon haïtien nan yon machine que yo même y a porté yon nan transport sa yo c'est pour yo mettre yo à terre et puis faire chauffeur à payer yon amende peut-être li transporter haïtien nan machine. Dominicain relevé persécution sa derrière nous encore. Après yo te fin di li pat marché et bien pourquoi il est là des pour haïtien là yo getan a bat pour voter loi en République dominicaine pour yo pas pour tout dans machine. Et bien n'a craser pays nous et bien n'a couri pour dans le caï voisin et bien les nous rivé voisin yo pas grand rien yo pral faire avec nous qui humilier nous plus que ça nous te capable prendre la caï nous. Pourquoi il est là yo mandé pour pas porter haïtien dans machine en République dominicaine qui donc soit vivre derrière même les n'importe gens ça taille ou ta do monter dans machine. Bon là yo prend décision pour haïtien pas monter machine la caillou. C'est Fédération nationale transport République dominicaine là c'est eux même qui prend décision si là. Et est-ce qu'il a passé nous pas connaît mais c'est ça qui gêta à manigaster pourquoi elle est là pour nous tomber dans l'eau. Pour PPT 11 moun mouri là d'ailleurs gagne 8 responsables gardien révolution pays Iran mouri hier lundi 1er avril là en bas une frappe aérienne l'armée Israël là les mêmes les fait compte conci là Iran dans pays Syrie. Et bien parmi victimes yo yon chef poste avec quad les mêmes général Mohamed Reza Zaidi et bien avec adjoint li Mohamed Aji Raimi. Et bien moun sa yo mouri nan gros attaque ça gros offensive ça pays Israël les mêmes les pas suspend fait sous pays Gaza yo côté kounya la c'est Iran qui frappé côté yo te gen yon ambassade nan pays Syrie. Et bien yo gen pou pipiti 11 moun ki mouri 8 responsable gardien révolution mouri nan guerre si la ki gen entre Israël avec pays Gaza. Pourquoi li la ki le guerre sa kapé nous pa konnen gran pile section a pote pou nan l'autre édition. Donc c'est là que nous mettons fin dans vidéo nous pour aujourd'hui. Un grand merci avec vous même qui t'a regardé vidéo ça jusqu'à la fin.
pas oublier youn nan première façon que ou ka fè ou capable fè santi travail n'a fait arriver sou c'est le ou kite yon like sou vidéo a et le abonne ou avec channel la tout pas oublier activer ti cloche notification mettre le sou tout yon façon pour YouTube capable toujours notifier à chaque fois que nous pote yon nouveau vidéo pour sou channel ça partager vidéo a avec yon ami yon famille yon façon li même pour capable joindre information à tout et pour ça ou aider nous grandir communauté channel là. N'a fait tout ça qui dépend de nous pour nous capable chercher information à quel que soit côté lié à l'aile passé à pour nous porter pour pas oublier sur channel ça nous pas fait information mais nous bail information Jean lié à dans n'importe là et bien ou pas regrette même une seconde côté t'es abonné avec channel là parce que n'a fait tout ça qui dépend de nous pour nous capable que vous informer sur channel ça quel que soit nouvelle là Haïti ou à l'étranger et bien ou a besoin ni sur channel ça sans retirer sans mettre. Eh bien, n'ap di au revoir tout le monde. N'ap revoir encore dans une prochaine vidéo, dans un titre qui pas trop long sous même channel ça.